Nous, on a utilisé le titre de qui est tiré des mots de Claude Monet. Sans raison, sans rivage, il a parlé de les dernières peintures qu'il a fait, les peintures qu'il a laissées à la orangerie. Alors, on a pris les mots et nous sommes trois artistes anglaises et en fait, on utilise l'idée de la monde entière, de l'air, parce que mon travail s'occupe de les oiseaux, de chansons d'oiseaux, le travail de Carol qui vous voyez ici, c'est de travail autour des eaux de humains. Et le travail de Victoria, c'est de photographie des montagnes, des mers, de la terre et la géographie de la terre. Alors nous sommes un petit groupe de trois artistes, ça s'appelle Geographies of Print. Pourquoi j'ai choisi cette exposition? Parce que c'est une exposition, c'est vraiment moderne déjà quand même, par rapport, c'est vraiment du contemporain. C'est trois artistes qui m'ont plu parce qu'elles parlent de la nature, qu'elles parlent de l'être humain, de comment on est dans la vie. Elles le font ressortir cet art à travers du papier, à travers de la photo, à travers de la peinture, à travers, voilà. Donc pourquoi j'ai été ravie de recevoir ces trois artistes. Trois artistes sont moi-même, c'est Victoria Arnay, Carol Weiss et Victoria Ahrens. Mettre cet énorme travail dans l'église, l'espace spirituel, et la chose étonnante, c'est qu'elle a utilisé les os des humains pour le graveur. Mais aussi, dans cet espace, vous avez les os des humains qui sont enterrés dans la terre. Alors c'est le lien là avec celui-là. Et pour Victoria, elle a utilisé, vraiment c'est plutôt la Ciotà parce que c'est le lieu de photographie, c'est le cinéma, il est né ici. Alors on joue un peu avec ça. C'est intéressant d'être ici, d'être anglais et d'être ici, dans le sud de la France. Et c'est un peu de travailler avec des thèmes mondiaux. Alors c'est très, très intéressant d'utiliser un endroit comme ça et de faire cette exposition un peu exceptionnelle, je crois.